jour, nos troupes des armées de terre, de mer et de l'air en Algérie se renforcent en personnel et en matériel. Venues de leurs garnisons d'Allemagne et de la métropole, les unités de toutes armes s'embarquent pour la terre d'Afrique, comme le firent naguère leurs aînés. Elles vont y maintenir les traditions de notre armée et, en pacifiant le pays, mettre un terme à l'inquiétude et au déchirement. Matériel de transport, de combat, munitions, ravitaillements de toute nature sont chargés sans interruption. Pour la plupart des soldats du contingent, c'est la première traversée. Mais le goût du nouveau, l'ambiance de l'unité, la présence des cadres et la flamme de la jeunesse font taire bien vite les appréhensions du voyage. Les côtes de France disparaissent à l'horizon. Notre-Dame de la Garde semble donner sa bénédiction à ces jeunes métropolitains, demain soldats de l'armée d'Afrique, qui assureront après leur père la sauvegarde des grandes valeurs humaines que la France a toujours représentées aux yeux du monde et pour lesquelles elle s'est sacrifiée sans compter. La traversée permet aux hommes de prendre quelques heures de repos et de se livrer à leur passe-temps favori. Joie, détente, nostalgie du départ, marquent un voyage sans histoire. Mais déjà, les rives de la terre d'Afrique apparaissent au loin. Et bientôt, le port et les constructions modernes d'Alger, d'Alger la Blanche, défilent devant nos jeunes hommes émus et étonnés. Portant leur bagage individuel, nos soldats mettent le pied sur le sol africain. Quelques jours, rapidement adaptés, ils contribueront à la pacification aux côtés de leurs camarades déjà en opération. Sans arrêt, jour et nuit, cargos et paquebots débarquent de nouvelles unités. Les autorités civiles et militaires viennent à leur arrivée leur souhaiter la bienvenue et leur dire leur confiance et leur amitié. Entre l'Afrique noire et Alger, un pont aérien assure un transport rapide de nos troupes d'AEF et d'AOF. Elles débarquent à l'aérodrome d'Alger-Maison-Blanche pour apporter leur contribution à la lutte contre la rébellion. Thank you.
L'armée de l'air renforce, elle aussi, ses unités stationnées en Algérie. Avions légers d'observation, avions de reconnaissance et de chasse sont rassemblés à Salon de Provence pour franchir d'un seul coup d'aile la Méditerranée. Grâce à eux, l'armée de terre bénéficiera d'un appui et d'une protection de plus en plus efficaces. Les hélicoptères jouent un grand rôle dans les opérations. Ils ne sont pas simplement un moyen de transport, mais aussi des engins de combat. Les voici quittant leur base pour rejoindre Marseille. Ne pouvant rallier directement l'Algérie, ils atterrissent sur les quais pour y être chargés sur des cargos qui assureront leur traversée. Dès leur débarquement, ils rempliront de nombreuses missions. Transport rapide sur les arrières ou les flancs de l'adversaire, de commandos qui pourront l'encercler, et, bénéficiant d'un élément capital au combat, la surprise, jeter le désarroi et la panique dans ses rangs. Surveillance des zones d'opération et des villages. Évacuation des blessés qui recevront des soins appropriés dans les moindres délais. Tous les efforts du commandement tendent à regrouper en Algérie le maximum d'hélicoptères. L'espoir renaît. Hier asservi par la crainte, les populations reprendront peu à peu confiance et tout laisse espérer que grâce aux efforts de tous, bientôt va renaître une Algérie pacifiée et prospère.